Je reviens avant Noël, c'est promis. Ça fait bizarre. J'assume pas, j'assume tellement pas. Voilà. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je reviens enfin en vidéo. Mais je vais pas rester longtemps. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'arrête YouTube. Pour l'instant. Franchement, le pour l'instant, il compte tellement pour moi, vous vous imaginez même pas. Voilà, pour l'instant, j'arrête YouTube. J'ai pas le temps de monter, j'ai plein de projets en cours, dont on va parler juste après, qui me prennent énormément de temps, que ce soit du perso, du pro. Enfin voilà, ça me prend énormément de temps. J'ai pas le temps de tourner et monter des vidéos. Je préfère en fait vous dire, ok les gars, YouTube pour moi, pour l'instant, c'est en stand-by. On se retrouvera plus tard. Comme vous le savez, j'ai déménagé en fin d'année dernière et je devais revenir sur YouTube. Le problème qui se pose, c'est que j'ai 1 méga de débit. Donc autant vous dire que mes mises à jour Mac, l'exportation de vidéos sur YouTube, j'ose même pas en faire tellement ça doit prendre du temps. Juste un post Instagram, ça prend déjà beaucoup de temps. Tout ça mis bout à bout, les problèmes techniques et le manque de temps font que je préfère arrêter YouTube. J'ai décidé d'arrêter YouTube pour l'instant. Entre tous mes projets que j'ai, entre toutes ces choses que je fais, c'était plus facile pour moi d'arrêter YouTube que le reste. Du coup, il n'y aura pas de vidéo, hein. Voilà. Celle-ci, c'est la dernière avant longtemps, je pense. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais revenir. Je sais pas. J'ai pas de date, je préfère pas vous en donner parce que je fais plein de choses à côté. Déjà en fait, premièrement, à côté, pour mon travail, j'ai un examen à préparer. Donc autant vous dire que ça, je pouvais pas le laisser de côté. Ça, j'ai pas le droit de le laisser de côté. Mon chef me tanne assez régulièrement pour savoir où j'en suis. Pour ceux qui se poseraient la question, je prépare le CPM Part 1. Donc c'est un examen sur la supply chain. Si vous faites pas de logistique, si vous faites pas de supply chain, c'est pas intéressant pour vous. Voilà, donc j'ai ça à préparer. J'ai Instagram aussi. C'est pas parce que je ne serai plus sur YouTube que je ne vais rien faire sur Instagram. Donc je vous invite très fort à venir me suivre sur Instagram. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour me suivre sur Instagram. Je reviens, j'ai déjà posté plusieurs réels, plusieurs photos. Donc voilà, vous inquiétez pas, je suis au moins toujours présente sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et aussi, j'ai repris l'écriture. Mais là, j'ai repris l'écriture en mode j'ai mon agent littéraire qui me pousse au cul. Coucou Chloé. Voilà, j'ai vraiment repris l'écriture. Ça me prend beaucoup de temps entre l'écriture, les recherches, les dessins, parce que j'aime bien dessiner certaines choses pour bien me les représenter. Vraiment visualiser ce que je veux et m'aider dans mes descriptions après derrière. Donc ça me prend beaucoup de temps aussi. J'aimerais finir ce que je suis en train d'écrire. Ça me prend du temps, beaucoup. J'écris plusieurs soirs par semaine, j'écris entre. Enfin, je travaille en tout cas sur ce livre tous les soirs entre minimum 1 heure. J'essaye de me mettre cette routine. J'ai aussi fait un bullet journal pour ça, pour m'aider en fait à mieux monitorer mes séances d'écriture, à mieux m'organiser aussi dans ces séances d'écriture. C'est un projet qui me tient énormément à cœur et Chloé me lit et. Bah alors des fois, elle comprend pas tout. Alors je suis obligée de réécrire des passages. Des fois elle me dit, ça c'était un peu pas terrible. Alors du coup je me dis, oh oui, mais c'est mon livre à moi, alors t'as pas le droit de dire que c'est nul. C'est un peu, c'est cool de se faire lire, mais en même temps moi qui ai toujours écrit dans mon petit coin à moi toute seule, c'est assez déstabilisant d'avoir des commentaires de quelqu'un. Mais c'est très cool. Donc j'écris, voilà, j'écris beaucoup et j'aimerais finir ce livre. J'aimerais vraiment finir ce livre et pourquoi pas le publier un jour. Donc ça prend du temps, beaucoup de temps. Et plus le travail, plus la maison, plus Robin, plus Nico, bah, ce qui fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et malheureusement, c'est YouTube qui passe à la trappe. Donc, plutôt que de vous faire miroiter un retour prochain, je préfère vous dire dès maintenant qu'en effet, je ne reviendrai pas tout de suite. Pas sur YouTube en tout cas. Sur Instagram, je reste présente. Je continuerai à vous faire du contenu, à vous poster des photos, poster des réels. Je me suis découvert une vraie passion pour les réels. C'est ma manière à moi de continuer à vous faire des vidéos, même si voilà, je vous parle plus face cam en fait. C'est toujours mieux que rien. Voilà. Je suis présente aussi sur TikTok, hein. Oui, je me diversifie. C'est pour ça, à un moment donné, faut tailler dans le vif, faut dire non, bah arrête, tu te disperses. C'était vraiment très stressant pour moi de me dire j'ai pas le temps de tourner, j'ai pas le temps de monter, je peux pas monter.
C'était très 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 stressant pour moi. Et en fait, de me dire, voilà, j'arrête YouTube, ça m'a fait du bien en fait de le dire. Ça m'embête de plus vous voir parce que vous allez me manquer, je le sais, vous me manquez déjà. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai pas envie de vous quitter comme ça. Je peux pas rester non plus à rien vous dire parce que ça serait un peu bizarre. J'espère que c'est pas un adieu. En tout cas, maintenant, là, tout de suite, ce n'est pas un adieu, c'est à plus tard. J'espère sincèrement que j'arriverai à revenir plus tard. Bref, je vous laisse, mais c'est pour me consacrer à de beaux projets. Oui, parce que aussi j'ai oublié, mais on a le mariage à organiser cette année, donc ça aussi, ça va me prendre du temps. Ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, ouais, non, vraiment. Faudrait que je sois deux et que les journées fassent 48 heures. Ça serait bien. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je reviens un jour peut-être. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais continuer à poster du contenu. Sur TikTok aussi, j'aime bien faire des bêtises. C'est pas le même contenu tout à fait entre TikTok et Instagram. Sur TikTok, on voit vraiment que j'ai un humour de merde. Voilà, si vous aimez l'humour de merde, venez sur TikTok, y a aucun problème. Sur Insta, on est plus en mode make-up. Voilà. J'espère vous retrouver très vite, vous me manquez déjà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine.